toujours dans cette pensée 2016, suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Amen. Et ce matin, on est dans la série, c'est-à-dire une petite série dans la grande série, le son de la trompette. On va continuer la deuxième partie de ce qu'on a commencé il y a trois semaines, puisque pendant deux dimanches, c'est Florent qui nous a apporté la parole du Seigneur. Amen. On est plus loin, je ne veux pas oublier de souhaiter la bienvenue à... Ah, j'ai oublié ton prénom. Voilà, qui vient du Gabon, c'est ça? Voilà, ils seront, je ne sais pas, on va faire plus connaissance après la réunion. En tout cas, vous êtes bienvenus avec les enfants dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Vous êtes tous bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Mais les autres, je ne dois plus le dire, vous savez très bien que vous êtes bienvenus. C'est votre maison ici. Hein. C'est pas la mienne, hein. C'est votre maison. Nous sommes des enfants du Seigneur et c'est la maison du Seigneur. Donc, vous êtes chez vous, amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous n'avez pas l'air tellement convaincu. Le son de la trompette, deuxième partie. Amen. Alléluia. Je ne suis pas un amateur de télévision. Ça on n'attire pas vraiment. J'aime bien regarder les informations, j'aime bien regarder le journal météo parce qu'il y a des photos satellites. Et comme ça, je vois un petit peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et puis, je vois aussi ce qui se passe là-bas au-dessus en Suède. Mais c'est rare quand je regarde quelque chose à la télévision, je ne suis pas attiré. Et je pense à ça à cause du titre. Hier, il y avait, juste après la météo, je ne sais plus sur quelle chaîne, il y avait un film. Et je me suis surpris à regarder ce film jusqu'au bout. Et c'était l'histoire d'un professeur de musique qui jouait la trompette. En fait, au départ, c'était un musicien. Et puis, bon, on va passer les détails, il a fait quelques expériences qui sont mauvaises, ça a influencé ça, la vie de couple avec son fils et tout ça. Et puis après, il a dû abandonner sa carrière professionnelle, il est devenu professeur de musique. Et cet homme, dans ce collège, il a fait tout ce qu'il a pu pour attirer certains élèves qui décrochaient, qui avaient vraiment des problèmes et qui étaient musiciens, ou plus ou moins, pour vraiment les amener à retrouver quelque chose au fond de leur cœur. Et à la fin, il a fait un groupe avec ça. Et bon, il y a toute une histoire autour de ça. Et puis son instrument, c'était la trompette. Et pour ceux qui aiment le jazz, alors il y avait des morceaux de jazz, waouh, vraiment quelque chose de très fort. Et je pensais, pendant que je regardais ce film, je pensais à cette prédication, le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est un instrument, vous savez, on peut entendre du piano sans vraiment écouter, enfin, on peut écouter du piano sans entendre qu'il y a un piano qui joue, une guitare, il y a des instruments comme ça qui sont joués, mais on ne fait pas vraiment attention. Mais une trompette, c'est un instrument que, si on entend une trompette, on sait qu'on entend une trompette quelque part. C'est quelque chose qui frappe l'oreille. Et le titre donc, de cette mini-série, c'est le son de la trompette. Le son de la trompette. C'est quelque chose qui va frapper notre oreille et on doit être attentif. C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de spécial. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment dans nos cœurs, en tout cas moi je me prépare pour ça et j'espère que c'est notre désir, j'aimerais qu'il se passe quelque chose de spécial dans nos cœurs à cause du son de la trompette, à cause de la voix du Seigneur que nous allons entendre. Qui est vraiment quelque chose, un impact. On entend qu'il y a quelqu'un qui nous parle et il faut que ça touche pas seulement l'oreille, hein. Il faut que ça reste entre les deux oreilles, que ça arrive là et que ça descende jusqu'ici. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Amen. Parce que si ça rentre dans une oreille et ça sort dans l'autre, alors ça sert à rien du tout. Hein. Mm-hmm. C'est comme Louis de Funès quand il se nettoyait les oreilles avec son mouchoir. Là, hein. Amen. Le Seigneur veut que ça reste entre les deux et puis ça descende jusqu'au cœur. Mm-hmm. Alors seulement... il va y avoir quelque chose qui va se passer dans notre vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va faire la même lecture qu'on a fait pour la première partie. Psaume 89, versets 16 et 17. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur.
Nous voulons, Seigneur, ce matin être enseigné par toi. Nous voulons que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous voulons être attentifs à ta parole, Seigneur, qu'elle puisse venir se loger dans notre cœur et qu'elle puisse germer et porter du fruit, Seigneur. Nous voulons que ta parole retourne à toi en ayant accompli son effet dans nos vies. Seigneur, rends-nous sensibles ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs, ouvrir la porte de notre cœur toute grande, Seigneur, pour que tu nous parles. Et nous voulons, nous avons besoin de ta parole, Seigneur Jésus, pour que nos vies changent, pour que nous soyons vraiment ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, bénis ta parole ce matin, bénis ton serviteur, bénis ton église. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Pour rappel, on a vu ça il y a trois dimanches, quand la Bible utilise le mot trompette, quand elle utilise la formulation de trompette, il y a plusieurs significations. Il y a quand Dieu donne un ordre pour faire bouger son peuple, par exemple dans le désert. C'était les premières trompettes pour le peuple d'Israël ont été créées quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et cette trompette devait sonner quand Dieu disait maintenant on se lève et on marche. Et cette trompette devait à nouveau sonner quand le peuple s'arrêtait. C'était une façon d'utiliser, que Dieu utilisait la trompette. La trompette était utilisée pour louer Dieu et se réjouir. La trompette est aussi utilisée pour aller à la guerre. Je parle dans la Bible, des fois où le mot trompette est utilisé. La trompette est utilisée pour aller à la guerre. Mmh. Sonner de la trompette et l'armée aller à la guerre. La trompette est utilisée quand le Seigneur parle, appelle et avertit son peuple. Amen. C'est un symbole, parce que le Seigneur ne parle pas avec le son d'une trompette. C'est un symbole. Quand la trompette sonne, quand Dieu parle. Amen. La trompette est utilisée aussi pour l'accomplissement des prophéties, et la Bible nous parle aussi des dernières trompettes qui vont annoncer le retour de Jésus. À la dernière trompette, le Seigneur va revenir. Et ce matin, on va continuer avec la signification de cette trompette quand Dieu parle. Le son de la trompette, le son de la voix de Dieu. Amen. Et on va se focaliser avec cette signification ce matin. On pourrait traduire ce verset qu'on a lu. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de Dieu. Amen. J'ai vu il y a un an ou deux, j'ai été surpris. Quand j'ai vu ça, je sortais de chez Hubo, et pour ceux qui connaissent, c'est au shopping, à Nivelles-Sud, je sortais du magasin de bricolage Hubo, et puis au rond-point, il y a une camionnette qui est passée devant moi, une camionnette blanche, un plafonneur, et il y avait la publicité du plafonneur, et en dessous, en grand, c'était marqué « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Tu as déjà vu ça? À Bruxelles. À Bruxelles, moi je l'ai vu ici à Nivelles. Et j'ai dit « Waouh ! » Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de témoigner. En plus, quand on est entrepreneur, on doit faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler religion. Et s'ils voient des trucs sur notre camionnette, ils disent « Bon, maintenant, je change d'entrepreneur. » Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. La Bible dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît la voix de son Dieu. » Heureux. Amen. Le peuple. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Avant d'entrer dans la prédication, je voudrais vous raconter une histoire ce matin. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, et pour garder l'anonymat, on va l'appeler JPX. Ok ? JPX. Et l'histoire de ce garçon, c'est un garçon qui suit le cycle scolaire normal. Comme tous les enfants, il y a un cycle scolaire, de toute façon c'est obligatoire. L'école est obligatoire, merci Charlemagne. Et on n'a pas le choix. En Belgique, je ne sais pas, mais en France, c'est Charlemagne. Je me trompe, non? C'est ça, hein? Non, parfois, je mélange un peu les choses, parce que je n'étais pas encore né du temps de Charlemagne. Donc, des choses qui peuvent m'échapper. Amen, c'est juste pour voir si vous êtes encore avec moi ce matin. Amen, gloire au Seigneur. Donc, il suit son cycle normal, et à un certain moment, comme tout un chacun, et il doit prendre une décision pour prendre une orientation professionnelle. Parce qu'il y a un avenir, il faut choisir un métier. Donc il y a une décision à prendre, et ce jeune homme décide de devenir enseignant. Et il continue ses études jusqu'à ce qu'il obtienne ses diplômes. Je ne sais pas combien d'années il faut après. Mais voilà, il continue ses études, et à la fin de la dernière année, il obtient ses diplômes. Et voilà que, comme tous ces jeunes qui viennent de finir leurs études, il est tellement content. Parce que les études sont terminées, il obtient son diplôme, et il est prêt à affronter la vie professionnelle. Et c'est à ce moment précis
où il y a quelque chose d'étrange. Mais vraiment étrange. Au lieu de chercher du travail, ce jeune homme, JPX, on va l'appeler comme ça, ce jeune homme, au lieu de chercher du travail et d'entrer dans la vie professionnelle, il se réinscrit à l'université, dans la même école, pour refaire la même année, la dernière année qu'il vient de faire. C'est probablement étrange. Il a obtenu son diplôme, et il se réinscrit et refait une année. Alors on pourrait penser que il veut devenir enseignant. C'est vrai qu'enseignant, dans le contexte actuel, c'est pas évident. Peut-être il se sent pas assez fort, peut-être il pense qu'il a oublié certaines choses, il a besoin de compléments, d'assurance, et il refait un an. Et donc il refait cette année, il n'a pas de diplôme, parce qu'il a déjà eu son diplôme, et puis quand l'année est terminée, encore une fois, au lieu de s'inscrire pour chercher du travail, il continue comme ça. Il se réinscrit à l'université pour faire la même année encore. La dernière année. Alors qu'il a déjà eu obtenu son diplôme. Et il fait ça d'année en année. Tous les ans. Et si on réagit normalement, on va penser que quelque part, ce jeune homme a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. En tout cas, c'est ce que je crois. Quelque part, ce jeune homme a un problème. C'est une situation hors de sens. Et en plus, cette situation, elle va bloquer son avenir. Il est quasi certain, si je réfléchis bien, à cette situation. Il est quasi certain que, comme tous les ans, il se réinscrit pour le même cours, les mêmes choses qu'il a déjà appris l'année dernière et l'année d'avant et l'année d'avant. Il est quasi certain que, quand il va assister au cours, il va venir en touriste. Parce qu'il connaît tout. Mais d'accord, il va être là sur sa chaîne et... Et il y a le professeur qui enseigne, et... il sait tout par cœur déjà. Il n'y a plus rien à apprendre, il le sait. Donc il va venir à l'école en touriste. Qu'est-ce qu'il fait un touriste à l'école? On ne vient pas à l'école en touriste, on vient pour apprendre. Quand on a appris, il faut mettre en pratique. Ça c'est une des causes. Quand, à cause de cette répétition d'année, il va régulièrement sécher les cours par manque d'intérêt. Parce que, quel est l'intérêt d'aller à l'école quand on connaît déjà tout ce qu'on va entendre? Tout ce que le professeur va dire, il le sait déjà. Quand on a des choses à apprendre, on est content d'aller. Enfin, normalement, ceux qui vont à l'école, vous devriez être content d'aller à l'école. Moi, ce n'était pas toujours mon cas, sauf quand il y avait des jolies filles. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on doit aller à l'école. On doit aller à l'école pour apprendre. Donc, il va régulièrement, c'est une certitude aussi, régulièrement, il va sécher les cours. Il va aller ailleurs qu'à l'école. Parce qu'il n'a plus rien à apprendre. Il n'a aucun intérêt. Et autre chose qui va se passer, c'est que quand il sera là, comme il s'ennuie, il se fout pas mal de ce que le prof dit, il connaît déjà. Là, il faut qu'il passe son temps. Alors, il va regarder tous les étudiants. Il va les observer. Il va tellement bien les observer, à la fin, il va tous les connaître par cœur. Il va connaître tous leurs défauts. Celui-là, 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 c'est ce qui va se passer. Il n'y a que ça à faire. Vous savez, quand on observe bien les gens, au début, on les trouve beaux, on les trouve gentils. Et toi, c'est quoi ça? Alors on regarde encore un peu plus près. Et il y a ça aussi. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que même au niveau du professeur, comme il connaît tous les cours, alors dans son cœur, quand il écoute le professeur, il va dire, si j'étais lui, c'est pas comme ça que j'enseignerais les élèves. Non, il va arriver un moment où il va finir par critiquer son professeur. Celui qui lui a donné tout ce qu'il a reçu. Toute cette éducation, c'est ce qui va se passer. Maintenant, les conséquences de ça, c'est qu'il n'a aucun avenir financier d'assurer.
Il est étudiant, il n'est pas inscrit au chômage, il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi, il ne va jamais chercher du travail, il ne va jamais toucher d'argent, il n'a aucun avenir financier, donc il va vivre tout le temps au crochet. Soit de ses parents, soit des bonnes âmes qui vont dire « Ah, c'est un pauvre malheureux, il n'a pas d'argent, on va lui donner à manger, on va lui acheter des vêtements. » C'est volontaire hein, ce qu'il fait. Mm-hmm. Mais c'est une conséquence. Et finalement, quand il va arriver à la fin de sa vie, il n'aura même pas le droit à une retraite. Parce que pour avoir la retraite, il faut avoir cotisé. Pour cotiser, il faut travailler. Si on n'a pas travaillé. Et j'ai noté ceci, nous pouvons nous attendre sans trop nous tromper à ce que ce JPX finisse SDF. C'est quasiment certain. Il va finir SDF. Amen. Regardez cette histoire là, entre nos deux oreilles. Et maintenant on passe à la prédication. Ok, c'est intentionnel que je vous ai raconté cette histoire. Maintenant on va entrer dans la prédication. Psaume 89, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la voix de son Dieu. Amen. Amen. Je voudrais qu'on soit tellement attentif ce matin. Vous savez, ces paroles qui sont sur ma feuille, j'ai tout noté parce que j'ai trop peur d'oublier des choses et ça a un impact dans ma vie. Je voudrais que ça a un impact dans chacune de nos vies. Notez, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que quelqu'un qui connaît le son de la trompette, le son de la voix de Dieu a obéi à cette voix et est venu vers nous pour nous la faire connaître. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Quelqu'un connaît la voix de Dieu, connaît le son de la trompette et est venu vers nous pour nous la faire connaître. Ouais. Quelqu'un est venu nous parler de Jésus qui est mort sur la croix pour payer le prix pour nos péchés, de Jésus qui guérit les cœurs brisés, de Jésus qui guérit nos maladies, qui brise les chaînes de la drogue, du tabac, de l'alcool, de la pornographie, de Jésus qui rend libres les opprimés, de Jésus qui donne un sens à la vie quand notre vie n'a plus de sens, de Jésus qui remplit de paix le cœur rongé par la haine, de ce Jésus que cet homme dont il connaissait la voix est venu nous parler et qui a changé notre vie. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Parce que quelqu'un a entendu le son de la trompette et nous a fait découvrir le son de la trompette, le son de la voix de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin. Sinon, nous ne serions pas là. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que quelqu'un, un jour, a donné sa vie au Seigneur et lui a fait la promesse de le suivre et de le servir. Yes. Cette même personne qui nous a fait découvrir la voix du Seigneur. C'est parce que quelqu'un a choisi de connaître le son de la trompette, le son de la voix de Dieu, et d'y obéir, et a décidé de te faire connaître ce Jésus. Mm-hmm. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Amen. Parce que quelqu'un a fait des efforts pour te faire connaître la voix que lui, il connaît. Amen. Amen. Tu es le fruit de l'obéissance et de la consécration d'un homme ou d'une femme qui a décidé que sa vie appartenait à Jésus et que Jésus serait le numéro un dans sa vie. Tu es le fruit d'un homme ou d'une femme comme ça. Tu es le fruit de quelqu'un qui a sacrifié du temps dans la prière, dans la fidélité aux réunions, aux études bibliques, au culte, dans la fidélité de sa marche avec Dieu. Quelqu'un qui a persévéré malgré tout. Tu es le fruit de cette personne. Yes. Tu es le fruit de quelqu'un qui a renoncé à lui-même
qui a fait abstraction de lui-même pour se mettre au service des autres en servant Jésus-Christ. Tu es le fruit de cette personne. Tu es le fruit de quelqu'un qui a lutté et persévéré contre ses propres désirs, contre son moi, pour te faire connaître le son de la trompette, le son de la voix de Jésus. Tu es le fruit de cette personne. Ouais. Personnellement, je suis le fruit de plusieurs personnes. Qui ont lutté pour moi, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont intercédé, qui n'ont jamais abandonné jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Yes. Je suis le fruit de ces personnes. Amen. Qui ont entendu la voix du Seigneur Jésus, qui connaissait la voix du Seigneur Jésus et qui ont persévéré jusqu'au moment où moi aussi j'allais connaître cette voix et y obéir. Je suis le fruit de cette personne, de ces personnes. Je ne suis pas ici ce matin par hasard. Vous n'êtes pas ici ce matin par hasard. Vous êtes ici parce que quelqu'un, un jour, a découvert le son de la trompette, a découvert le son de la voix de Jésus, a donné sa vie au Seigneur, a décidé que le Seigneur Jésus serait numéro un dans sa vie, et il s'est engagé à faire connaître cette voix à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi. Amen. 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 Je ne suis pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelqu'un a payé un prix pour que tu sois ici. Pour que tu connaisses à ton tour le son de la trompette, le son de la voix de Jésus, ce son mélodieux. Que tu connaisses le prix que Jésus a payé. La valeur du sang qui a coulé sur la croix, que tu connaisses ce qui est tellement merveilleux de découvrir dans son cœur la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, l'amour du Seigneur, tout ce qui vient du ciel. Amen. Quelqu'un a payé un prix. On ne parle pas de Jésus ce matin. Lui, il a payé le prix suprême. Je parle d'un homme ou d'une femme dans ton entourage qui t'aimait tellement fort. Il a payé un prix pour te faire découvrir ce Jésus que lui a découvert. Yes. Amen. 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 Je suis tellement reconnaissant, Église. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, merci Seigneur, parce que le Seigneur conduit toutes choses. Pendant que j'écrivais ce message hier, j'ai repassé un petit peu toute ma vie et j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, peut-être un jour je vais écrire ma biographie. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Je suis passé par tellement de situations dans ma vie. Quand j'ai rencontré mon épouse, J'étais qu'un voyou, un jeune homme sans cœur, sans foi ni loi. Il n'y a que moi qui m'intéressais. J'étais quelqu'un de très fier, très orgueilleux, très imbu de ma personne. Je méprisais les gens. Vous savez, Sœur Nicole, à la numérique, c'est de ce jeune homme-là qu'elle est tombée amoureuse. Je ne sais pas comment elle a fait. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Je ne sais pas pourquoi elle est tombée amoureuse de moi. En plus, elle était BCBG, vous savez, la jeune fille bien comme il faut. Et moi, j'étais tout le contraire. Rocker avec des longs cheveux, des grosses pattes à la Elvis Presley, les chemises grandes ouvertes, les gros ceintures en blouson de cuir. Hein? Mais voilà, aujourd'hui, si c'est pas vrai. Hein? Il n'était pas mieux que moi à l'époque. Ah oui, on habitait le village d'à côté, donc c'était le copain de mon frère. Et puis cette jeune fille est tombée amoureuse de moi. Et elle a dit, Seigneur, je ne peux pas épouser un garçon comme ça. Il faut que tu le changes. Et puis il y avait ses parents qui ont vu que leur fille unique était tombée amoureuse d'un mec comme moi. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est tombée amoureuse de moi et qu'elle a dit à ses parents, voilà, je suis amoureuse de Philippe, ils l'ont dit au responsable des jeunes.
C'était le deuxième papa de mon épouse. Et il est venu voir mes beaux-parents, il a dit surtout, elle ne doit pas épouser ce garçon. Parce qu'il avait tout de suite. Non, c'est pas un garçon pour elle. Et puis mes beaux-parents, ils ont regardé leur fille. Et ils ont dit mais on ne peut rien faire, elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Alors ils ont fait la seule chose qu'il y avait à faire. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à intercéder, ils ont commencé à lutter. À lutter. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur brise mon cœur. Et je suis le fruit de leur persévérance. Je suis le fruit de leur amour. Je suis le fruit de leur combat, de leur lutte. Et ils n'ont pas abandonné jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'objectif qui s'était fixé. Ce Philippe, il doit donner sa vie au Seigneur et le Seigneur va le changer. Amen. Vous savez, quand je suis devenu pasteur et son école avec moi, mon beau-père était déjà décédé malheureusement, mais ma belle-mère était tellement fière. Tellement fière. Ce voyou pour qui elle avait tellement prié, intercédé, pleuré, ce voyou était devenu pasteur. Amen. Yes. Je suis le fruit d'hommes et de femmes qui ont lutté, qui ont donné. Qui ont donné. Chacun de nous, ici ce matin, si nous sommes ici, nous sommes le fruit de quelqu'un qui a donné pour nous. Il a donné dans la prière, il a donné dans le jeûne, il a intercédé, il a témoigné. Et dans le lieu secret, il a fait des choses qu'on ne connaît même pas. Pour que nos vies changent, pour qu'on entende le son de cette trompette à notre tour, le son de la voix de Jésus, et que cette voix devienne agréable à nos cœurs et qu'elle change nos vies. Amen. Yes. C'est pour ça que nous sommes ici ce matin. C'est pas par hasard. Quoi qu'on pense, je ne sais pas quelles sont vos vies depuis que vous êtes enfant. D'ailleurs, moi, je pourrais dire oui, mais non, ça n'a rien à voir parce que moi, je suis né dans l'église pratiquement. J'ai grandi dans une église baptiste. Après, j'étais dans les églises en Pentecôtiste, dans les églises évangéliques. J'ai fait tellement d'églises parce que mon père, c'était un pigeon voyageur. Hein, et puis, j'ai entendu parler du Seigneur. Et puis, bon, un jour ou l'autre, ça devait arriver. Non, c'est pas vrai, l'église. Parce que j'ai vu tellement de choses dans les églises qu'un jour ou l'autre, j'avais qu'une envie, c'est de me casser des églises. J'avais plus envie d'aller à l'église. Et si je suis ici ce matin, je suis le fruit d'hommes et de femmes qui ont lutté, qui ont payé à prier. Ils ne sont pas restés chez eux tranquilles. Eh bien, est-ce que le Seigneur va changer ce garçon comme un pauvre type, hein? Comment c'est possible qu'il y ait des voyous comme ça sur la terre? Est-ce que ce n'est pas la réaction qu'on a souvent quand on voit tous ces jeunes qui sont dehors, hein? C'est quoi tous ces voyous là? On a plutôt envie de leur donner des baffes ou des coups de pied dans le derrière, moi le premier. Maintenant, j'ai certainement eu un avantage, c'est qu'une fille est tombée amoureuse de moi. Donc, elle a influencé le comportement de son entourage. Et tous, quelque part, quelqu'un a donné quelque chose pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean-Luc, toute une église à prier, jeûner pour toi. Toute cette église, quand on a commencé, tu viens d'aller, toute cette église a jeûné, prié pour toi. Pas ici par hasard ce matin, mais ici parce que des hommes et des femmes ont payé un prix dans le jeûne, à la prière, ils t'ont donné de l'amour, ils ont intercédé pour toi, ils ont lutté jusqu'à ce que le Seigneur change ta vie. C'est comme ça pour chacun de nous, église. Amen. Pour chacun de nous. Des hommes et des femmes ont payé un prix pour que mon nom soit écrit quelque part dans le livre de vie. Alléluia. Merci Seigneur pour mes beaux-parents, merci Seigneur pour mon épouse, parce que grâce à leur persévérance, grâce à leur prière, grâce à leur jeûne, grâce au prix qu'ils ont payé, mon nom est écrit dans le livre de vie, parce que quelqu'un a payé un prix pour toi, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et tu ne dois jamais oublier ça, jamais. Sœur Lida, si votre nom est écrit dans le livre de vie, c'est parce que quelqu'un a payé un prix. Amen. Alléluia. Et je sais que des noms nouveaux sont écrits dans le livre de vie parce que vous avez payé un prix pour eux. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Yes. L'apôtre Paul a écrit ceci à l'église de Rome. Je ne vais pas détailler toutes les l'épître de Paul aux Romains, juste verset, chapitre 10, verset 13 à 15. L'apôtre Paul dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il continue, il dit, « Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Comment y aura-t-il des noms nouveaux écrits au ciel si personne ne sort de son petit confort, si personne ne donne sa vie au Seigneur et dire « Seigneur, voilà, moi je vais me donner, je vais prier, je vais jeûner, je vais intercéder, je vais payer un prix pour qu'un nom nouveau soit écrit au ciel. » Amen. C'est ça que l'apôtre Paul écrit dans cet épître. Comment un nom nouveau peut-il être écrit au ciel si personne ne se lève et dire « Seigneur, me voici, utilise-moi, je vais payer le prix qu'il faut payer, Seigneur, mais je veux qu'un nom nouveau soit écrit au ciel à cause de mes efforts, à cause de mon jeûne, à cause de mes prières, de mon intercession. Mm-hmm. » C'est ça qui est écrit, l'Église. C'est pas seulement pour l'Église de Rome, c'est pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans ce contexte, l'apôtre Paul, dans cet épître, il parle des Juifs. Il parle du peuple auquel il appartient. Quand il dit ça, il parle de son peuple, le peuple de Dieu, qui était devenu un peuple religieux, un peuple complètement égaré, qui ne connaissait pas le son de la trompette. Ils ne connaissaient pas le son de Jésus. La preuve, c'est qu'ils l'ont crucifié. Ouais. Et l'apôtre Paul dit, comment leurs noms pourront-ils être écrits dans le livre de vie si personne ne va leur témoigner qui est ce Jésus qu'ils ont crucifié. Mmh. C'est juste. Si personne ne se met à part, si personne dit, Seigneur, je veux, moi, m'offrir pour quelqu'un. C'est ça que l'apôtre Paul enseigne à l'église de Rome. C'est ça que le Seigneur nous enseigne ce matin, Église. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que ça percute quelque part là, à l'intérieur. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça percute. On pourrait traduire ces versets pour nous ce matin de cette façon. Comment les hommes seront-ils sauvés ? S'il n'y a personne qui, connaissant le son de la trompette, connaissant le son de la voix de Jésus, ne s'engage à ce que Jésus soit numéro un dans sa vie et s'offre pour le servir. Comment les Nivellois qui nous entourent seront-ils sauvés si nous ne sommes pas prêts à nous engager, à nous offrir, à jeûner, à prier, à être fidèles, à persévérer, à lutter, à payer un prix pour que des noms nouveaux soient écrits dans le ciel ? Alléluia. Amen. Il y a ces paroles du prophète Ésaïe qui sonnent à nos oreilles comme une trompette. Il dit, chapitre 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je vais ouvrir une petite parenthèse quant à ça. Il y a trop de gens, trop de chrétiens qui ont mal compris ça, trop de professeurs qui enseignent et qui n'ont rien compris à ça. Quand la Bible, quand le Seigneur dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» il ne parle pas de cette fameuse Sainte Trinité qui n'existe pas. Il parle de tous ces anges et ces archanges qui sont auprès de lui, avec qui il a un entretien, de ceux qui, la Bible dit, qui ont applaudi à sa création. Et le Seigneur leur parle, il dit « Qui enverrai-je ? Qui va marcher pour nous ?» Et je ferme la parenthèse. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Cette même voix résonne à nos oreilles ce matin. Le son de la trompette, cette voix du Seigneur qui nous dit « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?»
Certainement, il y a eu, il y a longtemps, une époque dans nos vies où nous avons entendu ce son de la trompette. Et comme à l'époque on était plein de feu, on a dit « Moi, Seigneur ». Et vous savez quoi? Pour la plupart d'entre nous, c'était il y a longtemps. Cette même voix, ce même son de la trompette résonne à nos oreilles ce matin. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et le prophète Ésaïe a répondu avec empressement. Moi, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Amen. C'était tout au début de l'appel du prophète Ésaïe. Ésaïe n'avait pas encore fait sa vie de prophète. Hein. C'était tout au début de son appel. Il aurait pu très bien dire, oui, mais Seigneur, tu sais, je n'ai pas la connaissance, tu dois encore m'instruire, tu dois m'enseigner, je dois apprendre tellement de choses. Non, 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 non. Il a entendu le son de la trompette, la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Et il a dit, moi, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Yes. Une question qu'on doit se poser ce matin. Où j'en suis par rapport à mon engagement? Chacun de nous ce matin, je pense, un jour ou l'autre, on s'est engagé à servir le Seigneur. Un jour ou l'autre, on a dit, Seigneur, je vais te suivre, je vais te servir. Voici ma vie, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Combien de fois, pendant la louange, on chante, me voici, je te donne mon cœur, prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. La question ce matin, c'est... Où en suis-je avec mon engagement? Où j'en suis? Est-ce que nous sommes encore capables d'entendre le son de la trompette quand Jésus nous parle? Ou est-ce que c'est un bruit qu'on entend, on ne sait pas trop d'où vient ce bruit? Et puis on n'y fait pas vraiment attention parce que midi, midi quart maximum, le pasteur va nous libérer. Est-ce que nous connaissons encore le son de la trompette, le son de la voix de Dieu qui nous parle ce matin? Il dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Avant-hier et hier, c'était le Ravel, sur le parking en face. C'était plein, bondé, bondé de gens qui sont venus faire la fête. Bondé d'hommes et de femmes qui vont en enfer. Et le Seigneur nous pose la question ce matin, qui enverrait, qui marchera pour nous pour que le nom de ces hommes et de ces femmes soit écrit dans le livre de vie? Amen. Je vais terminer. Amen. Le Seigneur nous parle, l'Église, depuis quelque temps. Et la volonté du Seigneur, c'est que cette Église change. Se passe des choses dans nos cœurs, dans nos vies. Pour que cette Église soit vraiment un flambeau, là où Dieu nous a placés. Que cette Église soit vraiment la lumière dans cette ville de Nivelles. Parce que vous savez quoi? Si nous ne faisons pas notre travail, si nous ne sommes pas le flambeau, si nous ne sommes pas la lumière, le Seigneur va choisir quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Et un jour, on va rougir. Je crois que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, et peut-être ce matin, c'est bien de le faire. On oublie qu'on croit, on oublie que ouais, de toute façon le pasteur est toujours en train de vouloir qu'on fasse des choses. Oubliez ça. Moi je veux rien. Je veux juste que la volonté de Dieu soit faite. Je veux juste que vous soyez heureux, épanouis.
puissiez offrir vos cœurs et vos vies au Seigneur, pour que le Seigneur puisse vous bénir, et que des noms nouveaux soient écrits au ciel. Mm-hmm. Après, le reste, c'est pas mon problème. Est-ce qu'on peut oublier ça ce matin? Oublier nos petites habitudes. Vous savez, cette petite vie qu'on a cloisonnée. Florent, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous a parlé de cette boîte. Cette petite boîte spirituelle qui est notre vie. Avec nos petites habitudes, nos résolutions, on fait comme ça, comme ça, comme ça, y compris dans le domaine spirituel. Mm-hmm. Et on apaise nos consciences. Oui, mais moi, tous les jours, je prie. Tu sais, pasteur, ça c'est la réaction. Tu sais, pasteur, comme si le pasteur avait quelque chose à faire. Comme si je pouvais changer vos vies. Je peux rien faire pour vous, je peux juste prier, moi. Vous n'avez pas de compte à me rendre, c'est à Dieu que vous rendez compte. Vous allez me voir comme pour apaiser sa conscience. Tu sais, pasteur, mais moi je prie tous les jours. Hein. Même si je ne viens pas à l'église, hein, je suis avec vous dans ma pensée. Hein. Je prie tous les jours. Je lis ma Bible, j'étudie ma Bible, j'ai des moments de louange et d'adoration avec le Seigneur. J'ai ma vie spirituelle, personnelle. Tu sais quoi? C'est merveilleux. Et il faudrait que ça soit comme ça pour tout le monde. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à faire tomber les murs de la boîte et à sortir. C'est quoi la grande commission? Allez! Le Seigneur n'a pas dit « Je vous sauve pour que vous fassiez des belles églises et quand vous en aurez marre d'aller à l'église, alors vous pouvez rester à la maison, vous pouvez prier. De toute façon, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, donc tu pries avec ta femme et ton fils et c'est bon, je suis là. » C'est pas pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés pour qu'on puisse avoir une réelle communion personnelle avec lui. Il nous a sauvés pour qu'on puisse être fidèles, assidus à l'église et engagés dans l'église pour pouvoir accomplir ce pourquoi il nous a sauvés. Allez et faites de toutes les nations des disciples que des noms nouveaux soient écrits dans le ciel. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. C'est pour ça que l'église existe. Et vous savez quoi? Parfois on n'a plus envie de venir à l'église. Peut-être parce qu'on n'aime pas entendre ce que le pasteur raconte. On se dit, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Hein? Alors dans le doute, on va rester à la maison. On va écouter Internet. Internet, là on a le choix, on peut choisir. Ah celui-là, j'aime bien comment il prêche. Parce qu'il caresse toujours dans le bon sens. Hein? T'inquiète pas pour ta sanctification, t'inquiète pas, tu fais ceci, t'inquiète pas, tu fais cela. De toute façon, Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, 99% presque de ce qu'on entend sur Internet, c'est ça. Et puis il y a quelques hommes de Dieu qui ont le courage de dire ce que la Bible dit. Cela, rarement on va les écouter. Je ne suis pas très en accord avec la boîte qu'on s'est faite. Parce que ces hommes-là disent, tu dois te sanctifier, tu dois te purifier, tu dois te mettre à part, tu dois être fidèle à ton Église, tu dois être engagé dans ton Église. Tu dois mettre ta vie au service de Dieu pour que quelqu'un ait son nom écrit dans le livre de vie. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, Église. Vous savez, les temps changent. Le modernisme fait peur. Parce que les choses changent tellement vite. Début 1900, il y a un grand réveil qui est arrivé dans tous les pays. Et tous les gens ont commencé à se réveiller, le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit. C'est passé des choses tellement énormes. Et puis les églises ont commencé à se créer, à se remplir. Et les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'était quelque chose de merveilleux. Et puis début du XXe siècle, fin du XXe siècle, fin des années 1900, ça a commencé à se tasser un peu. Les chrétiens continuaient à venir à l'église, mais on n'était plus vraiment motivés. Mais on continuait à venir à l'église. Et puis maintenant, début 21e siècle, les choses changent encore. Les chrétiens ne viennent même plus à l'église. Parce qu'on a Internet, parce qu'on a sa petite vie personnelle, spirituelle, et on pense que voilà, Seigneur, pour moi, c'est ok, c'est bon. C'est bon. Mais l'apôtre Paul dit, comment des noms nouveaux seront-ils écrits dans le livre de vie s'il n'y a personne qui va leur faire connaître le son de la trompette. Yes.
Est-ce que nous sommes déjà posé la question, l'Église récemment? Seigneur, c'est qui la dernière personne que tu as mis sur mon chemin pour qui j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai lutté, je me suis offert pour que son nom soit écrit dans le livre de vie et qui maintenant t'appartient? C'est une bonne question, ma fille. C'est une bonne question. Vous savez, contrairement à ce que tellement souvent les chrétiens pensent, ce travail n'incombe pas au pasteur. Moi, je suis le berger. C'est pas moi qui fais les bébés, c'est vous. C'est vous qui faites les bébés, c'est vous qui êtes appelé à faire des bébés. Moi, je suis appelé à vous enseigner, à vous encourager, à vous édifier, à vous faire aller plus loin, à vous donner un ministère dans l'Église, à vous faire travailler. Si seulement vous me donnez l'opportunité de voir que vous avez envie de faire quelque chose. Amen. 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 Le Seigneur nous a sauvés, l'Église, pour autre chose. Pour un petit confort spirituel. C'est pas ça le salut. C'est pas ça. Le salut, c'est Jésus numéro un dans ma vie. J'entends parfois des gens qui disent, oui mais pasteur, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas comment est ma vie. Tu ne sais pas tout ce que je dois faire. C'est vrai, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans votre vie privée. Mais je sais une chose. C'est que dans ma vie, en particulier quand j'étais indépendant, et vous savez, quand on est indépendant, il faut travailler beaucoup pour gagner une misère. Les journées, c'était 12, 14, 16 heures, 6 jours semaine. Parfois encore le dimanche après-midi, il y avait encore du travail au bureau à faire. Ça ne m'a jamais empêché que Jésus soit numéro un. Ça ne m'a jamais empêché de vous servir. Ça ne m'a jamais empêché d'être fidèle avec le Seigneur, d'être fidèle à l'Église. Yes. Alors non, c'est vrai, je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas tout ce que vous avez à faire. Mais je sais que si tu as décidé de le faire, c'est possible. Amen. C'est juste une question de priorité. Juste question de priorité. Amen. Alléluia. Comment y aura-t-il des prophètes dans l'Église si ceux qui sont appelés à devenir prophètes ne se donnent pas au Seigneur, disent « Seigneur, moi je vais être un instrument que tu vas utiliser dans l'Église. » Comment va-t-il y avoir des enseignants, des docteurs, si ceux qui sont appelés à ça ne se donnent pas au Seigneur, pour dire « Seigneur, moi je vais être quelqu'un que tu vas utiliser parce que c'est pour ça que tu m'as placé. » Comment va-t-il y avoir des enseignants pour nos enfants à l'école du dimanche s'ils ne se donnent pas au Seigneur? Comment les âmes vont-ils venir à l'Église et rencontrer le Seigneur si ceux qui ont reçu ce talent d'avoir la parole facile pour parler aux gens ne se donnent pas au Seigneur? Amen. C'est un son, la trompette, avec un impact particulier ce matin, Église. Amen. Vous savez, il y a des usines, des entreprises, avec la conjoncture actuelle, où les patrons se réunissent, les comités d'entreprise, les syndicats, et on dit, voilà, l'entreprise va mal. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour sauver l'entreprise? On voit ça aux informations régulièrement. Et vous savez, tous ces salariés, ils acceptent de travailler plus et gagner moins. C'est un non-sens. Les syndicalistes se sont battus, certains sont morts, pour qu'on obtienne ces avantages. Gagner plus pour travailler moins. Et maintenant, les ouvriers acceptent de travailler plus pour gagner moins. Parce qu'ils ont une entreprise à sauver. Ils sont prêts à payer le prix parce qu'ils veulent sauver leur boulot. Parce qu'ils ont une famille à nourrir. Parce qu'ils ont une maison à payer. Mais ça, c'est les choses de la terre. Et ce matin, le Seigneur dit, il y a des âmes à sauver. Il y a une ville à sauver.
Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour sauver cette ville? Quel est le prix que vous êtes prêt à payer? Amen. Vous savez, Église, il est temps de faire tomber les murs de notre boîte. Sortir la boîte et dire, Seigneur, et leur dire, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous?